Sécurité alimentaire et nutritionnelle oblige. Le comité permanent inter-état de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS, et ses partenaires ont pu mettre en place un cadre harmonisé d'identification et d'analyse des zones à risque et des groupes en insécurité. Ce présent atelier vise à renforcer les capacités techniques des acteurs régionaux dans la facilitation des cycles d'analyse du cadre harmonisé pour améliorer la qualité des résultats d'analyse de la situation alimentaire et nutritionnelle des pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. De façon spécifique, il s'agit de réviser les outils de formation en français et en anglais en les adaptant aux nouvelles orientations du comité technique du cadre harmonisé, de renforcer les capacités des coachs régionaux sur les principes d'utilisation du manuel du cadre harmonisé et de préparer le prochain cycle d'analyse prévu pour octobre et novembre 2016 dans les 17 pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Je voudrais, par conséquent, exhorter tous les participants ici présents à s'impliquer activement et de manière constructive aux échanges, mais aussi à jouer pleinement leur rôle dans l'animation de cet atelier, car ce n'est qu'ensemble que nous pourrons relever le défi majeur d'enrayer l'insécurité alimentaire et la pauvreté dans l'espace CEDEAO. Le succès de cette formation dépendra beaucoup des contributions de chacun de vous lors des séances de travail. À l'issue de cet atelier, les formateurs régionaux se rendront dans leurs pays respectifs pour y animer des sessions de formation.